Tout a commencé par cette mobilisation de la gente féminine ce jeudi matin pour assainir les grandes artères de la cité religieuse de l'Hadj Oumar Tall. La présente activité citoyenne est initiée par la présidente du Fans Club, Mamadi Doumbouya, une organisation représentative très engagée à soutenir les acquis de la transition. Je demande à toutes les femmes de Guinée de se lever, ainsi qu'aux sages et jeunes, pour aider notre bon président, car il a une bonne vision pour la Guinée. C'est notre projet Suède 2 qui nous a mobilisés d'associer les apprentis pour assainir la ville. On a une délégation qui doit être là demain. Ce vendredi soir aussi, la ville de Dinguiraye est en effervescence avec ce carnaval géant initié par la jeunesse. C'est dans le sillage de la deuxième édition du tournoi qui porte le nom du président général Mamadi Doumbouya. Ces grandes retrouvailles sont marquées par la présence du conseiller personnel du chef de l'État, El Hadj Terno Mamadouba, entouré de plusieurs cadres de l'État. Une marche qui vise à consolider les initiatives de cohésion sociale et surtout à vulgariser les résultats probants de la transition. En tant qu'invité, on ne peut que remercier les organisateurs. Je pense que c'est un signal fort que Dinguiraye donne, que les autres préfectures ou les autres régions doivent suivre dans les jours et semaines à venir. Je prends part à cette activité qui consiste le lancement du deuxième tournoi organisé au nom du général Mamadi Doumbouya, derrière qui tout Dinguiraye aujourd'hui se range pour l'accompagner dans sa politique de refondation et dans ses objectifs de faire de la Guinée un pays émergent. Je suis très impressionné de voir que la jeunesse de Dinguiraye est sortie, mais cela voudrait dire que la jeunesse de Dinguiraye sait reconnaître les bienfaits du président aujourd'hui, parce qu'ils sont sortis pour témoigner de leur attachement à leur président. Et si on est reconnaissant de ce qui est en train d'être posé, c'est important qu'on soutienne le général Mamadi Doumbouya, parce que tout simplement, il a fait certaines ouvertures qui ne pouvaient pas être possibles dans ce pays. À Dinguiraye, on ne parle pas beaucoup. Ici, c'est le général Doumbouya. Dinguiraye, 100% Doumbouya. Cette mobilisation explique tout simplement que les populations adhèrent massivement, volontairement et sans condition aux idéaux du président Mamadi Doumbouya. Après avoir sillonné les rues de la ville de Dinguiraye avec le slogan « Dinguiraye 100% Doumbouya la solution », nous voici au stade. Ici, un match amical oppose l'équipe militaire à celle des civils pour lancer le grand rendez-vous sportif qui regroupe les sous-préfectures et la commune urbaine. L'organisation est faite pour montrer à l'opinion internationale et nationale que Dinguiraye est derrière le président général Mamadi Doumbouya à 100%. Après cette journée de ferveur populaire basée sur la promotion du vivre ensemble, TMB, El Hadj Terno Mamadouba, natif de Dinguiraye, et ses hôtes au cadre de l'État se préparent pour d'autres activités, des activités comme la lecture du Saint-Coran, mais aussi le lancement de la compétition proprement dite ce samedi.